Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit truc pour jouer out. C'est une question qu'on m'a posée récemment. Alors voilà, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de vous en faire part. Donc c'est un truc qui me vient de Didier Lockwood avec qui j'ai appris ça. Donc il s'agit simplement en fait de décaler sa main d'un demi-ton. Voilà, de jouer une phrase ou une série de notes, décaler sa main d'un demi-ton, en haut ou en bas, hein, c'est égal, et après de revenir. Donc par exemple, par exemple, si je suis en mi majeur, là, tiens, et après je repasse en. Par exemple, là, là, je suis sur la pentatonique. C'est vrai que la pentatonique, c'est pas mal pour essayer de faire ça. Donc, je suis sur la pentatonique de mi majeur. Si vous ne savez pas ce que c'est les pentatoniques, allez voir ma vidéo sur les pentatoniques. Donc, mi, fa, do, sol, si, do dièse. Et par exemple, je décale d'un demi-ton et je vais en fa et je garde exactement les mêmes doigtés. Et après, je reviens en mi. Donc, si je garde ces 5 notes, par exemple. Là, j'ai rajouté la 7e. Sinon, je vais rajouter juste le mi d'en haut. Par exemple, sur la corde de la seulement. Répétez comme ça. Si je descends, et je vais essayer de mémoriser un peu le placement des doigts, et puis après de le décaler, et puis pas de refaire les notes forcément dans le même ordre, et après de revenir nouveau avec les notes pas forcément dans le même ordre. Ok, donc c'est vrai que les pentatoniques pour ça c'est vraiment pas mal d'avoir les pentatoniques dans les doigts et après pouvoir les décaler d'un demi-ton vers le haut ou vers le bas. Alors je vais essayer de montrer un exemple avec un rhythm and change en do, un anatole en do. 1, 2, 3, 4. Thank you.
L'important après, en fait, si on veut que ça sonne bien, c'est de bien revenir, en fait. Si on commence à faire ça et qu'on ne sait pas comment revenir, ça risque de sonner pas très bien. Et du coup, c'est quand même... pour pouvoir faire ça, il faut d'abord quand même passer par un travail de connaissance profonde des accords et savoir bien, enfin connaître vraiment les arpèges, à mon avis, hein, de chaque accord, vraiment savoir, en fait, les entendre, les arpèges dans sa tête. Comme ça, après, ça permet de sortir et de revenir. C'est ça qui va faire qu'on sait le moment où on peut sortir et le moment où on peut revenir dans les accords. C'est simplement de bien connaître les accords et de les entendre bien dans sa tête. Pour le faire et que ça sonne bien, et que ça sonne pas que ça, enfin, parce que si on fait ça et qu'on maîtrise pas vraiment les arpèges, ça va vraiment donner l'impression qu'on fait un peu n'importe quoi. Alors que si on le fait mais qu'on connaît les arpèges et qu'on sait sortir et re-rentrer parce qu'on sait où on va avec son oreille, du coup ça sonnera bien et on va se dire, ah, mais qu'est-ce qu'il fait? On sait pas ce qu'il fait. Et voilà, donc je vous invite à essayer ce truc. Merci et à bientôt.